Toujours dans l'obligation de vous servir, aimables téléspectateurs, bienvenue à ce plateau de Au cœur du sport. Oui, nous sommes là bien au rendez-vous pour vous tenir compagnie. Et oui, c'est vrai qu'après un direct qui a un peu décalé ce programme, nous sommes là, nous avons tenu bon, nous et les invités. Patience oblige pour vous servir, pour justement vous informer dans le cadre de ce magazine. Et oui, nous sommes un plateau, je dis nous, parce que j'ai à côté de moi des confrères qui vont justement nous accompagner tout au long de cette émission. Nous avons Pengongo, Olivier, nous avons Billy Kinkela, nous avons Bolfino qui nous vient tout droit de Lubumbashi, donc il a atterri hier à partir de minuit et il est là avec nous. Et nous avons Eddy Kankou à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci, merci. Et bienvenue merci à Kinshasa pour Molfino. Merci Karibu Kinshasa. Voilà, donc... C'est un plaisir de retrouver tous nos confrères avec qui on discute dans les différents groupes WhatsApp. Mm-hmm. Voilà, on parle sport, on parle foot et c'est un plaisir d'être sur un même plateau pour parler sport encore une fois de plus. Je pense que c'est un honneur et surtout que c'est pour la deuxième fois que je passe dans cette émission nationale, un plateau national. Donc très heureux que les gens nous suivent de partout en RDC et dans certains pays du monde. Voilà, voilà justement, nous allons commencer déjà avec notre sujet. Vous le savez, les Léopards de la République démocratique du Congo ont été éliminés du Chan. Le Chan qui continue d'ailleurs la 7e édition, la RDC, on le rappelle, avec 2 étoiles, a été éliminé en phase de groupe. Une élimination que nous qualifions de honteuse parce que déjà éliminé en phase de groupe, aucun but marqué au cours de cette compétition. 3 buts encaissés au tout dernier match contre le Sénégal. La question revient encore, qu'est-ce qui ne va pas avec le sport congolais? Est-ce que cette défaite vient encore remettre sur la table la question de la politique sportive en République démocratique du Congo? On va en parler justement avec cette nouvelle encore, cette disqualification de U23. On va en parler ici sur ce plateau et vous le savez, la dernière communication du ministère des Sports, c'est justement les 24 heures accordées à la fédération pour donner des explications claires en ce qui concerne cette élimination de Léopard. Est-ce qu'un geste populiste ou justement la question mérite d'être posée? On va en parler avec tous ces confrères qui sont ici sur ce plateau, sans oublier quelques sujets d'actualité notamment qu'on va évoquer tout au long de cette émission. On parlera notamment de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa qui démarre déjà le championnat de mars ce dimanche. On va évoquer et effleurer toutes ces questions dans ce plateau. Alors je commence déjà, Billy Kinkela, vous étiez sur place, notamment avec Eddy Kankou qui était sur place de l'autre côté en Algérie. Vous avez vécu les 3 rencontres de la République démocratique du Congo. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui n'a pas marché avec les Léopards? Ce qui n'a pas marché, c'est que on a manqué ce que j'ai envie d'appeler le fight spirit. Je crois que mon anglais est élémentaire, Eddy va peut-être me compléter, le qui est fort en anglais. On a manqué de joueurs capables de permettre au pays de se retrouver à la prochaine étape. C'est vrai, j'ai lu un peu partout les gens qui s'en prenaient, certains au staff technique, à la tête duquel on retrouve Otisi Ngoma. D'autres qui tiraient sur le ministre des Finances, estimant que les joueurs n'avaient pas assez de moyens nécessaires avec la fameuse chanson, le fameux refrain, Chaniboya Nyongo, cher à mon ami d'en face. Il y a eu tout ça, parce que on sait depuis, en tout cas Belle Lurette, les joueurs, l'équipe nationale sont habitués à ce qu'à chaque rencontre, on sait qu'il y avait un seuil par rapport à ce qu'ils touchaient. Il faut déjà rappeler que nos joueurs ont manqué cela pour cette édition, tout simplement parce que les ministres des Finances avaient estimé qu'il fallait faire des choses autrement, alors qu'eux s'attendaient à ce qu'ils ont en possession de leur prime avant la compétition. Il a fallu une intervention, on va dire, express du Premier ministre pour que le joueur ait quelque chose. Pour des gens déjà habitués, pour des gamins déjà habitués à ce qu'on appelle Maboko Banki, donc quand vous jouez un match, vous avez vos primes, déjà ça jouait sur le mental des joueurs, parce que ça discutait très très souvent entre les joueurs autour de l'argent. Et puis, on a manqué ce que j'appellerais une politique de formation de nos jeunes. Le match face au Sénégal a démontré qu'on avait en face une équipe de joueurs qui avait une certaine expérience, des garçons comme le milieu de terrain de Lupopo, passé par Mazembe, Mika Miché,
lui qui est à son troisième challenge. Il a été en 2016 lorsqu'on a gagné. Il a été en 2021 au Cameroun. Il était là, mais on a vu sur le terrain qu'il est passé à côté. Les sélectionneurs qui a eu confiance, qui a fait confiance à l'expérience, à sa place, je ferai peut-être autant. Parce qu'aujourd'hui, je suis sélectionneur, je ne laisse pas Issama, je ne laisse pas Ibunga, je ne laisse pas Boka, je ne laisse pas Mutumosi, au vu de ce qu'ils ont donné en championnat. Parce que j'ai lu qu'il y a des gens qui voulaient s'en prendre au sélectionneur pour avoir laissé Mwaku Orso de Lupopo maintenant, de Lupopo aujourd'hui, parce qu'il a marqué autant de buts. Rien n'est rassuré que si on l'amenait, il marquerait autant de buts. En 2021, on a amené Jean Baléké, qui était meilleur buteur de championnat, et on a vu que la compétition l'avait pratiquement avalé. Otis Ngoma qui a fait le choix de l'expérience avec Makoussou, et sur le terrain, on a vu que face à des jeunes qui sont formés, parce que rappelez-vous, parce que moi je vais vraiment m'apesantir sur ce match-là, vous avez une équipe avec 23 joueurs, ou un peu plus d'ailleurs, avec au moins 18 qui viennent de l'Académie Jambars et Génération Foot. On a senti sur le terrain que nous, on avait des individualités, l'expérience de certains joueurs, mais face à un collectif de joueurs qui s'est connu. Ça a toujours été le cas avec la RDC. On compte plus sur les individualités que sur le collectif. Il n'y a rien de nouveau dans ça. On le sait, que ce soit avec les internationaux, avec les A, avec les A prime, il y a toujours la question des individualités et non du collectif. Malheureusement, et malheureusement, voilà pourquoi moi, je voudrais à ce niveau-là, c'est vrai, tirer. Bon, je ne voudrais pas tirer la sonnette d'alarme, mais quand même demander au ministre des Finances. Je commence par là. Ouais. Parce que pour moi, chacun a sa part de responsabilité, en commençant par le gouvernement. Quand je dis gouvernement, moi, je vois le ministre des Finances. Parce que Toyemi qui va jouer, ma Djogo, ma Lobanaka, Bus Soda, jouer à Zalro, la Soda, Akoufa, Kanambongunaï. Ils n'ont pas eu ça. C'est vrai, ils vont avoir ça. Je ne suis pas contre. Mais déjà, ça joue. Il y a la fédération qui a sa part également. Pourquoi? Quelle est la part de la fédération? C'est vrai, les Léopards de la RDC ont participé à trois stages. On a été au Congo-Brazzaville, on a été en Algérie, on a été récemment en Tunisie. Mais je me dis, quel est, parce que quand vous écoutez l'entraîneur, il se lamente toujours qu'on ne lui ait pas donné autant de moyens. Il se lamente. Il se dédouane ou il se lamente? Bon, je vous le concède, je vous concède le terme. Je me dis, finalement, c'est que ce stage n'a servi à rien. Parce que même sur le terrain, on a vu qu'on n'avait pas d'équipe. Voilà pourquoi je dis, quel était le planning? Est-ce qu'il y a eu ce travail, par exemple, staff technique des Léopards et direction technique nationale? Parce que, je voulais arriver, je finis par là. C'est la thématique de Cher Heidi. Oui. Parce que j'ai comme l'impression que ces différents stages ont manqué de contenu. Et l'entraîneur le dit bien. Et sur le terrain, on a vu cela. Parce qu'on le sait bien, les différentes équipes, hormis l'équipe A, les différentes équipes doivent travailler avec la direction technique nationale de façon que les contenus de chaque stage soient planifiés de façon à permettre à une équipe qui veut prendre part à une compétition d'avoir une certaine homogénéité, ce qui nous a manqué. Eddie Kanku. Je peut-être reviendrai sur d'autres aspects, sur la part de la fédération également. Eddie Kanku, est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a manque de discours, qu'il y a manque de leadership, qu'il y a manque de programme, qu'il y a manque de vision? Et finalement, je me pose aussi la question pour savoir à quoi servent les états généraux si aujourd'hui nous devons aller dans une compétition où il y a tout ce manque criant qui a justement abouti à rien. Merci, c'est une question à dévoiler. Je commence par les états généraux. Les états généraux ne répondaient pas directement à la question du stage, ne répondait pas à la question des classements. Les états généraux ne parlaient pas technique. Les états généraux parlaient politique. De manière générale. C'était le sport de la République. Les états généraux, c'était une réponse pour donner à la nation une vision politique. Comment est-ce que l'État peut mettre à la disposition des sportifs le moyen de grandir? Et maintenant, ce qui est technique relève de la compétence des fédérations. On n'a pas évoqué les cas des fédérations au niveau des états généraux. Au niveau des états généraux, c'est la politique. Et comment ça marche? Les panélistes ont réfléchi, ils ont remis au ministre, le ministre a remis au gouvernement. Le gouvernement doit saisir l'Assemblée nationale. On doit organiser un débat au niveau de l'Assemblée nationale et les documents vont aller au niveau de la Chambre haute, qui est le Sénat.
et le Sénat, en seconde lecture, va envoyer au président de la République sa promulgation. Avant qu'une loi entre en vigueur en RDC, doit suivre ce processus-là. Et quand le chef de l'État va promulguer, la loi dit ceci, le président de la République, il y a une loi envoyée par l'Assemblée nationale et le Sénat, 15 jours après, si le président ne promulgue, cette loi automatiquement entre en vigueur. Donc le président n'a pas le pouvoir de prendre une loi des panélistes et mettre ça en pratique. Donc les états généraux, c'est une loi qui pendant que le chef de l'État n'a pas encore promulgué, on ne peut pas encore parler les retombées de l'État, des états généraux. Ça, on est d'accord, il faut encore attendre. Je suis sur l'équipe nationale. Je suis en face des deux tableaux. Nous connaissons tous que le football congolais est malade. Nous connaissons tous que le football congolais est malade. Une gestion de Constant Marie pendant 18 ans calamiteuse. Et Tchimangaï sont et les autres arrivent pour terminer le mandat de Constant puis aller aux élections. Tout ça, tout ça. Nous connaissons. Mais c'est dans cette circonstance que les autres ont gagné. Parce que quand Ibenge gagnait, c'était la même chose. C'était une gestion calamiteuse, mais avec Constant Omari. Mais c'est ça. Maintenant, l'après Constant Omari semble encore être désastreuse. Rien n'a changé. C'est toujours. D'ailleurs, nous allons de mal en pire. Nous allons de mal en pire. Il y a des disqualifications spectaculaires. Là où, moi, je pense qu'il y a des responsables à tous les niveaux, sur le plan technique. Parce que vous avez le staff technique, la fédération, la nation, tout le monde est responsable, de manière générale. Mais pour la participation de l'équipe au CHAN, Billy a dit que l'équipe a eu le stage de Congo-Brazzaville, en Algérie et en Tunisie. Ça, ce sont les moyens que l'État a mis à la disposition du staff technique. Parce que quand l'État vous donne les moyens, l'État ne vient pas vous donner la matière à étudier. Non, l'État n'a pas mis les moyens. L'État n'a pas mis les moyens. L'argent Il y a eu un préfinancement de la FECOFA, mais chaotique, parce que ce financement-là n'a pas permis à l'entraîneur d'amener les 38 joueurs dont tu voulais amener. Il a emmené à 24 heures du déplacement, la FECOFA a demandé à l'entraîneur de n'amener que le joueur qui va amener directement là-bas. Nous connaissons. Parce que les moyens en leur possession ne leur permettaient pas. D'où l'exclusion de joueurs qui venaient de citer ici. Ces garçons-là ont été écartés, faute des moyens d'embarquer tout le monde pour avoir le temps de les tester. Et donc c'est un stage biaisé. Ça ne servait presque à rien. Aussi longtemps qu'il a déjà les 28 qu'il va amener. Bon ou mauvais. C'est ça la réalité. Les préfinancements de la FECOFA n'étaient pas à la hauteur des ambitions d'une équipe qui veut aller gagner. Mais qui a sélectionné ces 28 joueurs? On prend cette parenthèse. On va continuer. Ça, ce n'est pas une excuse. Non. Qui a sélectionné ces 28 joueurs? Ce n'est pas une excuse. Un entraîneur qui a un plan, c'est-à-dire, je prends le cas de Santos Mutubile, qui est parti avec la première équipe CHAN. Santos n'a pas eu un demi-stage. Santos a eu un rassemblement des gens qui s'entraînaient au stade. Il a amené 60 joueurs. Laisse-moi finir. Il a entraîné pendant 5 ans. Ce n'est pas les mêmes circonstances. Je ne suis pas en train de co-débattre. Okay. Retiens les éléments que tu vas sortir Merci. Pendant ton temps d'appel. Non, il y en a certains qui peuvent. Oui, mais là, tu es en train de, ouais, vas-y, de vas-y. Faire obstruction. Là où je ne suis pas très d'accord avec l'entraîneur, quand tu ne t'assumes pas, tu estimes que ce qui est arrivé avant, on n'a pas de joueurs de qualité que tu as vu après les défaites. Tu pouvais le voir au début. Les choses évoquées par Otis ne sont pas tous. Il n'est pas passé à côté de la plaque. Mais ce sont les réalités qui existent en RDC, qui existent à l'époque de tout le monde. En prenant cette équipe, il avait un discours. On partait pour gagner. Avec quel joueur? Toujours avec ces joueurs-là. Un entraîneur a un plan. On est arrivé sur place. Les discours d'Otis Ngoma, on n'est pas venu pour perdre. On était venu pour gagner. Je serais d'accord avec lui si au départ il nous avait prévenu que je veux avec un joueur moins, le stage était comme ça, mais il a constaté. Ça n'a jamais été évoqué. Voilà, il a constaté que ces joueurs manquaient des niveaux à la fin de la compétition. Mais il devait s'assumer en tant que sélectionneur. Parce que les stages que j'ai eus ne m'ont pas permis. Si pour la Tunisie, il n'a pas apporté tous les joueurs, pour l'Algérie et pour le Congo-Brazzaville. Il n'avait pas eu une idée sur son équipe. Je reproche à l'entraîneur l'esprit managérial et l'idée qu'un entraîneur en tant que technicien peut se faire. Parce que tout entraîneur est buté devant tous les problèmes. En France, même au Brésil, on n'a pas 100%. Mais un technicien adapte sa politique aux réalités en face. Un technicien ne peut pas dire on m'a privé X, je ne sais pas faire avec Mais Y. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas que la RDC s'est retrouvée en face de plus fort qu'elle? Bien entendu.
la RDC s'est retrouvée en face des nations fortes, les cas du Sénégal et les autres. Mais nous sommes sortis de cette compétition nuls. C'est-à-dire, on pouvait faire face, faire une bonne participation dans cette compétition. Mais nous sommes sortis nuls. Parce que l'aspect managérial côté entraîneur manque. Quand l'entraîneur estime qu'on n'avait pas les joueurs de niveau, exactement, le joueur d'aujourd'hui amené par Otis, n'ont pas les niveaux de Kalitou Kadioko, de Bedi Mbenza, parce qu'ils ont fait longtemps. Il n'a pas menti. Hein. Il n'a pas menti, il a dit vrai. Mais je ne voulais pas que l'entraîneur se dédouane derrière cette histoire pour dire que lui n'est pas responsable. Parce que les réalités congolaises sont connues, madame. Ibenge a fait avec. Moutoubile a fait avec. Derrière les conditions à Moutoubile, c'était encore très pire. Mais Moutoubile avait une idée sur ce qu'il devrait faire. J'ai comme l'impression que Otis n'avait pas une idée sur son équipe, sur son groupe, sur ce qu'il fallait faire. Parce que le premier match, il aligne une équipe. Le deuxième, il remet avec 5 joueurs. Le troisième match, il change avec 7 joueurs. N'a pas favorisé vivre avec l'équipe nationale et tout ce qu'on entend, tout ce qui s'est passé au niveau de l'Algérie. Pengongo, finalement, on ne va pas donner raison à Nicolas Kazadi d'avoir gelé les fonds parce que les résultats n'ont pas suivi. Ils sont suivis à compte-goutte. On se dit aujourd'hui, s'il aurait fait comme avant, débloquer tout ce qui devait être fait et au finish, élimination en phase de groupe. Les raisons sur ça, je pense qu'il doit tu en avoir. Il y a évidence. Quand les ministres partent en jet pour aller pour un match aussi important, il n'est jamais arrivé. C'est des scandales. À un moment, celui qui a la caisse a des réserves. Et d'ailleurs, bien avant, il balance sa correspondance, même si ce n'était pas élégant. Il n'a pas le droit de s'adresser comme ça à un collègue, aussi ministre des Finances qu'il soit. Mais il a porté tous ces galops-là parce que l'environnement ou encore la manière, le fonctionnement de la gestion des fonds alloués au sport pose problème. Apparemment, il a mal orienté parce que si c'était pour... Ce n'était pas si c'était en raison pour le ministre, pour son collègue ministre, qu'est-ce que le joueur a à voir dans ça? C'est ça le les vrai frais problème. Pour le stage. Il a demandé dans sa correspondance, aussi, il parlait... Il faudrait le dire qu'il y a un droit. Dans sa correspondance, il parlait de l'harmonisation des primes. Il a parlé aussi de limites des fédérations à financer. Ouais, il a proposé 4 même. Il s'est donné des pouvoirs qu'il n'a pas. Il n'avait pas les droits, malheureusement. Alors, mais la réalité est telle que le résultat du football de notre République, depuis ce temps que Kazadi est en train d'observer, sont chaotiques. C'est un tableau rouge. À l'extrême, si c'était à moi à sa place, je pose le problème auprès du conseil de gouvernement. Sa correspondance avait sa place dans une réunion de conseil, pas s'adresser à un ministre. Il pouvait clairement dire, il sent que l'argent qu'il jette... Mais au-delà de s'adresser à un ministre, il a agi parce que le cas échéant du Tchad. Non, malheureusement, il n'avait pas à agir en correspondance. Il pouvait soulever les problèmes. Mais il a agi, on l'a vu ici avec ce Tchad. Les fonds ne sont pas sortis, les athlètes se sont plaints. Il avait exigé la bancarisation, il a prétendu qu'il a envoyé à la banque parce qu'il est allé s'expliquer dans un média, prétextant que le geste qu'il a posé, il est bon. Le problème, ce n'est pas tellement que le geste qu'il a posé, il est bon ou mauvais. C'est la FECOFA et les ministres du sport. Et les ministères, pardon, du sport, qui savent qu'il y a un déplacement et qui, avant ces matchs-là, ont géré des déplacements. C'est-à-dire que c'était à eux déjà de trouver un mécanisme de gestion. Gérer, c'est prévoir. Mais ils ont déjà géré, vous l'avez dit, la FECOFA. Les caisses de la FECOFA ont des millions de dollars dedans. De la FIFA. Entre parenthèses. Oui. Là, apparemment, vous vous contredisez. Non. Vous dites que le caisse de la FECOFA a des millions. Oui. Mais cette caisse qui a des millions n'a pas su faire sortir les moyens suffisants pour amener les 30 joueurs. Mais c'est là-bas que j'étais en train de partir. Maintenant, la FIFA a installé au niveau de la FECOFA, parce qu'on peut tout dire, hein, mais la FECOFA juridique et finance, c'est géré par la CAF. Ce sont les prétendus experts.
Parce que inexpérimenté techniquement. Parce que la fédération a mal géré. Ça, vous le dites pas. Rajoutez. C'est un élément important. Aussi, la FECOFA a mal géré. Oui. La FECOFA, ce sont des techniciens. Mais la CAF qui prétend améliorer le fonctionnement de la FECOFA amène des gens. On vous a laissé l'argent, vous, techniciens, vous avez mal géré et mal fait. Amenez de l'expertise. Oh, mais nous sortons de l'argent et puis laissez Congolais va avoir. Quand l'argent va sortir, on va le passer. Ce n'est pas son argent. Et quand vous laissez le terminer, ce sont des droits sur image. Les droits que vous devez utiliser au profit du sport. Mais justement, quand vous n'utilisez pas au profit, ils ont le droit de venir contrôler. Maintenant, vous nous envoyez des gens qui viennent acheter les vitres et les portes, mais qui refusent de décaisser pour les préparations de l'équipe nationale. Ils vous aident parce que vous étiez incapable de le faire. Ils ne les aident pas, au contraire, ils ont, on va dire, le terme m'échappe. Depuis quand la FECOFA Laissez-le terminer. Vous avez demandé qu'il voulait terminer. Curieusement, il veut. C'est difficile de comprendre aussi. Ah, voilà. En fait, c'est quoi? Les prétendus experts, inexpérimentés, je précise, confondent l'achat des portes et des meubles à la préparation. La FECOFA, c'est l'organe technique. Il s'agit de l'organisation, de la préparation. Et la FECOFA avec Omar, il a donc qu'on insulte. La FECOFA en prêtait chez les Cambistes. C'est ce que j'allais dire. La FECOFA de Omar est emprunté chez les Cambistes. Mais c'est pas le FECOFA qui l'a emprunté. Mais pourquoi il l'a emprunté? Parce que le type avait besoin des moyens pour aller préparer. Mais la FECOFA, des prétendus experts inexpérimentés, sont incapables d'anticiper sur ce genre de choses. C'est là la responsabilité de la FECOFA. Parce que ça savait déjà qu'à un moment, il y aura décaissement. Même si cette culture-là, de n'amener l'argent qu'en retard, ne respecte pas une organisation sérieuse du gouvernement et du ministère des Sports. C'est-à-dire, je pense, à mon humble avis, que le pays n'a jamais cru en ces gamins. Parce qu'ils ont fait les préparations zéro franc, ils ont fait les qualifications zéro franc, à 48 heures de la compétition, zéro franc. Le pays a fait douter ces gamins-là de leur capacité. Et même cet entraîneur qui partait dans cette compétition, il ne sait pas ce qu'il représente pour la République. Parce que décembre sans compétition, les blancs qu'on a là, sans compétition, il a déjà paraffé son contrat. Mais celui qu'on envoie en compétition, on lui dit, on va vous appeler. Mais c'est en fait, c'est une République. Qui négocie, c'est une République. S'il vous plaît. Attendez. Et c'est là que c'est scandaleux. Excusez-moi. Vous savez ce qu'est un joueur? Vous savez, le football qu'on apprécie ici tous les jours, chaque week-end que moi et Eddie, on met une télé, on est en train d'apprécier. Vous savez ce que gagne ce joueur? Non, ne compare pas la Ça gagne plus que... Ne compare pas la Voilà. Et donc, s'il vous plaît, madame, il y a un minimum de respect d'un gamin amateur, mal nourri, qu'on envoie en compétition et qui ne sait pas s'il aura un dollar à 48 heures de la compétition. Je suis d'accord avec vous. S'il vous plaît, je donne les mots. Croyez-moi, je suis ici devant la caméra. Ces gamins-là ne sont pas des joueurs de la caméra. S'il vous plaît, mais comment à 4 clubs, ce ne sont pas des joueurs de la caméra. S'il vous plaît, je donne un exemple. On est ici au Congo. Ok. En 2009, okay. Puisqu'on parle du Tchad, ouais, exact. En 2009, ouais. Les joueurs qui évoluaient dans le TP Mazembe d'antan, ouais. Ils vont dans une compétition où ils n'ont encore rien. Rien du tout. Ouais. Et l'entraîneur, ouais. Mais ça nous a apporté des résultats. Ouais. Nous avions un Ibengue qui se plaignait tout le temps qu'il y avait un problème sérieux de paiement de salaire. Ouais. Mais qui ne lui a pas empêché de nous amener la coupe. Très bien, maintenant, en quoi, s'il vous plaît. Je n'ai plus le droit à la parole. Vous parler. Après, vous êtes en train de me couper. Je vous ai écouté religieusement. Je vous ai écouté religieusement. S'il vous plaît, en quoi le contexte actuel est différent du contexte d'antan? D'autant plus que les autres ne sont pas partis en stage. Okay. Vous avez eu des stages. Okay. Parce que vous avez estimé qu'il y avait la Covid, il y avait ceci, il y avait... Okay. On vous l'a accordé. Okay. On vous l'a accordé. Okay. Mais vous revenez sans résultat et vous voulez jeter le pauvre au gouvernement. Et alors, je comprends tout le monde. Oui, voilà. Et nous, vous. Merci beaucoup, madame. En fait, il y a une vérité que nous refusons tous d'assumer dans ce pays.
les championnats congolais de cette époque-là, qui a fait de Mazembe double vainqueur de la Ligue des Champions, où si le club descend à Lubumbashi pour un match dans un stade de 18 000, il y a 200 000 personnes dehors. Pas le championnat, mais je peux terminer. Oh là là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Santos Mutubile, entraîneur 3 ans du TP Mazembe, il quitte, quelqu'un d'autre vient prendre les relais, on donne à Santos l'équipe nationale, il prend 60% de l'ossature. Donc on n'aurait pas dit. Oh, on n'aurait pas dit. On n'aurait pas dit. Je vais pas terminer. On n'aurait pas dit. Madame, personne n'a interdit à la FIFA de choisir les autres. Voyez, donc quand vous dites ça, vous continuez encore à incriminer plutôt la FIFA. Mais en réalité, ce que je vous présente là, c'est une situation réelle et intéressante. Pourquoi Santos, en s'appuyant sur une ossature qu'il a gérée pendant 3 ans, effectivement, il n'a pas besoin de grandes préparations. C'est-à-dire quoi? Ibenge a pris 5 entraîneurs. Je vous informe, peut-être que vous ignorez. Avant d'aller dans ces champs-là, Ibenge a pris 5 entraîneurs. Je vais terminer. Je vous évoque les aspects. Je vous amène les circonstances qui différencient ces temps-là et le temps de Otis. Je ne suis pas en train de dire que Otis est innocent. Madame, non. Pardon. Je ne suis pas en train de dire que Otis est innocent. Parce que en Otis, à sa charge, jusqu'aujourd'hui... Otis, dans le contexte actuel de la RDC, c'était pas... À la charge d'Otis, c'est l'incapacité de trouver un discours capable de pallier aux insuffisances de la FECOFA et du ministère des Sports. De tout couvrir. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Dans la hiérarchisation de choses, Otis est au troisième panier. Ah, le numéro 1, c'est... Vous voyez, numéro 1, c'est celui qui est censé rassurer les gamins. Le numéro 2, c'est celui qui est censé pouvoir à l'entraîneur les moyens techniques pour préparer. Et le numéro 3, c'est lui à qui? Celui qui est proche des joueurs. Otis est au troisième palier. Les discours du match, ce n'est pas le ministre qui va les donner. Les discours du match, ce n'est pas Nicolas Kazadi. J'accorde la parole à Billy Kikela. Vous allez revenir. Le dernier mot revient au coach. Le discours, c'est le coach, ce n'est pas Nicolas Kazadi. S'il vous plaît, vous n'avez pas l'impression que nous sommes un tout petit peu en train d'inverser le rôle actuellement? Justement. Parce que quand on parle sport aujourd'hui, en premier lieu, on voit l'argent. En premier lieu, on voit gouvernement. Par exemple, je me suis posé la question, ici. Qu'est-ce qui a fait à ce que l'on puisse, par exemple, ne pas choisir le meilleur buteur du championnat? Ça, personne n'arrive à nous l'expliquer. Mais le débat n'a pas encore fini. S'il vous plaît, Le débat n'a pas encore fini. Oui, on revient. Voilà, donc c'est une question que nous avons. Aujourd'hui, moi j'ai l'explication. Qui peut nous dire, parce qu'on est en train de parler de la sélection nationale, des locaux, au niveau du championnat, quelle meilleure attaque, meilleure défense, meilleur milieu? C'est ce qui permet à déterminer l'équipe nationale. En lieu et place, tous les discours, même l'entraîneur, tout au long de la compétition, n'est pas revenu sur les insuffisances à combler pour les athlètes. Il est resté superflu. On ne sent pas une technicité dans la chose. On se dit finalement... On va se focaliser maintenant sur tout ce qui est accessoire à côté du CHAN et non sur l'aspect technique. Parce que si on devrait parler CHAN aujourd'hui, c'est l'entraîneur et le joueur. Point barre. Madame, à la suite de ce qu'a dit Olivier Pingongo, pour moi, Otis Ngoma, c'est vrai, il est responsable. C'est lui qui a sélectionné le joueur. Ouais. Le malheur d'Otis aujourd'hui est d'avoir fait confiance à ceux, aux joueurs que nous avons tous applaudis ici. Il les a emmenés. J'aurais aimé, moi, tout à l'heure quand je prends la parole, j'ai dit, j'aurais aimé que l'on donne à Otis Ngoma, comme il le réclamait, comme il se plaignait, la possibilité d'avoir cet autre stage-là. Ça lui aurait permis d'amener, de voir d'autres joueurs qu'il avait présélectionnés, d'avoir une idée sur eux. Mais comme déjà, Pingongo l'a dit, et vous n'avez pas prêté attention, le jeune gardien de Rangère, ce garçon-là, à ma place, il méritait... sa place par rapport à d'autres gardiens, même par rapport à Badio, s'il a dit qu'on a Lina tout le match. Ah oui, tout simplement, s'il vous plaît. Ce garçon, tout comme Orso Mwaku, qu'Otis Ngoma a présélectionné, on comprend, c'est pour la première fois de mettre le maillot de la RDC. C'est quand même le maillot de la RDC. Oui. On a vu qu'Orso Mwaku est passé totalement à côté de la présélection, de la période de préparation.
tout comme le jeune gardien Armel, qui pour moi est parmi les trois meilleurs gardiens. Otis Ngoma se dit, si j'avais l'occasion d'amener un groupe assez élargi, exact, je les aurais emmenés, exact, pour leur donner de la chance également. Mais quand on me dit, n'amenez que le joueur qui va aller à la phase finale, c'est ce qui fait Otis Ngoma. Quand vous prenez le gardien Lomboto, s'il vous plaît, madame, je risque de me perdre. Quand vous prenez le gardien Hervé Lomboto, il n'a pas été là lors du dernier stage à Brazzaville. Tout simplement parce que lors du stage d'Algérie, il est passé totalement à côté de la période du stage, notamment le match amical face à Algérie qu'on avait perdu sur 3-1, ouais, où Hervé Lomboto s'est illustré avec trois bouts. Tout le monde avait suivi ce match-là. Il dit, je crois, il était en Algérie, ou d'autres confrères comme le Jolga et les autres. Ils ont tous vu la prestation d'Hervé Lomboto. Et Otis Ngoma à Brazzaville ne l'amène pas. Mais maintenant, là, on te dit, n'amène que le groupe qui va aller au Tchad. Je fais quoi? Je fais confiance en ces joueurs. Dès lors que. S'il vous plaît, madame, c'est bon. Donc, ça reste le choix de l'entraîneur. Justement, donc, évidemment. Là où non, je pas que, lorsque j'ai pris la parole en premier lieu, je devais expliquer en quoi Otis Ngoma était responsable. Je l'ai dit tout à l'heure, le malheur d'Otis est d'avoir fait confiance en ce joueur. Mofino a soulevé quelque chose d'important. Regardez aujourd'hui la qualification de V-Club à la phase de groupe. V-Club la doit à son magicien togolais. Il a fallu que ce garçon, okay, face au club burkinabé sorte, okay, un coup de magie pour que V-Club se qualifie. V-Club était déjà en train d'être éliminé. Aujourd'hui, Mazembe se court à la suite en compétition africaine. On sait que Mazembe a commencé par là. Donc, acceptons que cette génération de joueurs que moi j'ai qualifié de mercenaires, non, vous n'avez qu'à le voir, s'il vous plaît. Pourquoi non, je le dis? C'est son point de vue. Pourquoi je le dis? Ils sont habitués à ce que chaque fois qu'ils sont en stage, d'entrer en possession de leurs moyens, Neng Tomara, Maboko Bank. Maintenant, on dit, même la compétition, avant même la compétition, vous perdiez, que vous gagniez, vous avez 5000. C'est là où je parlais de la responsabilité du ministre des Finances. On comprend son souci, mais il s'y est mal pris. Il s'y est mal pris, vous n'allez pas envoyer un joueur. Certains dans leur club ont maintenant 5 mois. Je ne voulais pas qu'Eddy le dise pour qu'on le passe encore en bas sur lui. Joueurs dans ce club-là qui vont totaliser 5 mois parmi le grand club. Sans toucher leur salaire. Dans deux mois. Et on nous apprend que la présidence ne reconnaît que 3 mois. Et le 2 mois, donc ce joueur-là, qui n'ont rien laissé en famille. Rien laissé en famille, qui doivent. Mais là où moi je trouve qu'ils sont un peu mercenaires. Ils le savent. Il y a eu des compétitions ou d'autres stages où ils ont eu leur argent après. Ils auraient dû faire ça. Madame, s'il vous plaît. Et vous n'avez qu'à voir un bon système. Vous n'avez qu'à voir. Voilà. Moi, je m'intéresse un peu à la sémiologie. C'est mon domaine de recherche. J'étais en train de regarder les joueurs dans l'avion. Notamment le gardien de but qui a encaissé un but que moi je n'encaissais pas au Terrestre ni à la Boumou. Mais il fallait le voir, il fallait voir comment ils étaient insouciants. Il fallait lire le joueur sur les visages. Et ça parlait encore argent dans l'avion. Je me dis, ce joueur, son mercenaire, cette génération, prochainement. Moi, j'espère qu'Otis Ngoma sera encore là. Qu'il aille à Pefkin. Qu'il aille en Ligue 2. Qu'il aille en Ligue 2. Ce joueur qui parle, argent. Même en première division, il y a après l'élimination, il parle argent. Mais quand vous voulez, quand vous sélectionnez les joueurs qui sont déjà dans la quarantaine, ils ont déjà femmes et enfants. C'est pas une femme, plusieurs femmes et enfants. Vous voulez qu'ils parlent quoi? Nous sommes en train de suivre le Tchad. Nous voyons dans toutes ces sélections, la moyenne d'âge c'est combien? Les Sénégalais qui nous ont battus, quand vous regardez les visages de ces enfants, ils ont quel âge? Génération foot. Ça veut dire que c'est une génération qui a encore envie de prouver de quoi elle est capable. Après le Tchad, ces enfants ne traîneront pas dans leur équipe nationale. Les leçons à tirer, il faut former les joueurs. Vous avez une génération. Former les joueurs ou la jeunesse. Il faut former les joueurs parce que là, il y a des bases à tirer. C'est tout ce qu'on a dit. Au-delà de tous les autres. Parce que face au Sénégal, la moyenne d'âge de cette équipe-là, c'est 20 ans. Formons nos joueurs. Parce que sur le terrain, on a vu qu'il nous a manqué ça. Mais alors que, en tout cas,
le prochain staff qui va venir, ah bon, parmi les leçons, qui va être reconduit. Pour moi, parce que moi, comme Olivier Pengongo, je suis David Otis Ngoma, n'est pas le responsable numéro un de cette humiliation. Voilà. Otis Ngoma n'est pas le responsable numéro un. Voilà. Il faut chercher le numéro un. Technique, c'est parce que vous êtes d'accord, David, avec moi, que le joueur qu'Otis Ngoma a amené, ce sont les titulaires dans leur club, des clubs qui jouent les interclubs. À la place d'Otis, vous n'irez pas chercher le joueur à Lukungo, à Kilimani. Même ce qui a manqué, on l'a démontré ici. Donc, et l'autre leçon à tirer, je crois que vraiment le ministre a des filles. Parce que pour moi, je n'ai pas compris pourquoi et Olivier Pengongo a voulu responsabiliser le ministère des Sports dans tout cela. Qu'est-ce que le ministère des Sports a à faire? Pour avoir demandé à la FECOFA des explications, moi je te donne l'argent. Il y a d'autres gestions de finances au niveau du ministère des Sports. Et ça oblige les financiers à devenir réservés. S'il vous plaît. Vous savez, oui, c'est évident, c'est dit. Mais on dit ça, a dit que vous allez même passer les budgets, ce n'est pas une mauvaise gestion. Edi Kankou, nous allons entrer dans cette phase maintenant. Non, moi je n'ai pas fini de dire. Oui, justement, on va entrer dans cette phase. Parce que c'est vrai, il faut en débattre, oui. Mais le ministère également a demandé des explications. Mais à cela, il y a également, vous le savez, cette commission qui a été créée pendant le CHAN, où l'on retrouve le ministre actuel et le ministre honoraire, qui parle justement de la politique sportive en général, qui n'a rien à voir avec le CHAN, parce que c'était sorti au même moment, ils se sont réunis justement pour confirmer le point de presse qui sera tenu la semaine après justement le départ du pape. Donc ce sera entre le 5 et le 12 février, où il y aura un échange à bâton rompu justement pour parler politique sportive, parce qu'ils estiment qu'au-delà de tout, qu'au-delà d'accompagner les Léopards, qu'au-delà de soutenir les Léopards, il faudrait que l'on parle de cette politique sportive. Voilà, la structure, c'est justement le cadre de concertation des ministres de sport honoraires et ministres en fonction, CCMSHF Corporation. Voilà, donc c'est cette structure à laquelle nous serons habitués, justement, à parler sport et politique sportive, justement, en République démocratique du Congo. Et nous annonçons aussi avec la Ligue Pro Bakin, la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, qui va déjà démarrer. Pengongo, laissez-moi terminer mes annonces, qui va démarrer déjà demain, ce championnat qui va démarrer demain. Donc on va prendre ces images et puis on se retrouve juste après. Justement, le nouveau comité élu de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, conduit par M. Arthur Luango. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. C'est lui avec lequel nous allons d'ailleurs parler ce championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. On revient ici pour parler des solutions. C'est vrai qu'on est en train de décrier, on est en train de dire ça ne va pas. Au niveau de la FECOFA, il faudrait qu'il y ait finalement les élections, il faudrait qu'on change ceci, il faudrait qu'on fasse cela, il faudrait qu'on restructure l'équipe nationale. Otis Ngoma qui a d'ailleurs dit, si vous voulez que je démissionne, est-ce que nous allons vouloir qu'il démissionne ou qu'il doit se sentir en position de démissionner ou pas? Bon, je rapidement... Oui, rapidement pour entrer justement dans les solutions. Je pense que ceux qui estiment que techniquement, Otis n'est pas responsable, je pleure. Chaque entraîneur, au-delà des moyens de l'État, au-delà de tout ce qui est, au-delà des réalités du pays, chaque entraîneur est un technicien. Un technicien, c'est celui qui adapte sa technicité au regard des solutions en face. Réalité actuelle. Vous avez les réalités, on vous présente. C'est un technicien, un psychologue. Si vous n'êtes pas capable de vous adapter aux réalités. C'est un technicien capable de nourrir les. S'il vous plaît. Si vous n'êtes pas capable de proposer des solutions
au ventre. Au problème qu'on vous présente, ouais. Le mieux c'est de déposer, de dire, moi je ne suis pas capable. Je comprends que ce n'est pas l'homme des situations. Ouais, comme l'entraîneur. Oui, c'est l'homme qui doit avoir des joueurs. Comme l'entraîneur. Qui sont des centres, qui sont bien payés. L'entraîneur du l'État congolais nourrit les joueurs. Maintenant, la réalité ici au Congo, ce que l'État ne finance pas avant, nous le connaissons. Nous décrions. Mais nous maîtrisons cette réalité. Même dans plusieurs domaines de la vie. Si Otis estime... Et donc c'est à décharge. S'il vous plaît. Ce n'est pas à décharge. C'est Otis, c'est un technicien qui fait avec la politique qui existe. Un technicien qui ne sait pas s'adapter à la politique qui existe n'a pas sa place, il doit attendre. Tu ne nourris pas ton enfant, quand il échoue, tu connais le maître. Quand il échoue, tu connais le maître. Tu connais l'enseignant. Dans quelles conditions l'enfant, tu ne l'as pas nourri. Tu ne l'as pas l'école. Tu ne l'as pas nourri. Tu ne l'as pas l'école. D'ailleurs, et tu l'obliges à réussir. Quand il échoue, tu connais le maître. N'a pas de contrat. S'il vous plaît. N'a pas de contrat pour payer les joueurs chaque fin du mois. Ce n'est pas l'État qui nourrit les joueurs chaque fin du mois. Nous parlons de 21 jours. Oui, ce n'est pas l'État qui les nourrit chaque fin du mois. Je parle de 21 jours. C'est ce que j'ai dit. Et un fonctionnaire de l'État, le code éthique de l'agent public de l'État, nulle part où on doit payer avant que tu prestes. Okay. Oui, nulle part. Le ministre a dit ça. Nulle part. Le ministre a dit ça. J'ai dit nulle part. Ok. Et on avait privé à aucun joueur son argent. Okay. Il y avait un problème de procédure. L'argent est là. Oui. Il y avait un problème de procédure. Le ministre des Finances voulait que cet argent soit logé dans un banque que je touche. Donc, on n'avait pas privé un joueur son argent. Okay. L'argent était là, c'était question de procédure. En retard. Il n'y a pas retard. Okay. Il n'y a pas retard parce qu'aucun joueur avait presté un match officiel pour dire qu'il était en retard. Oh. Non. Et dit, tu ignores que ces gamins là-bas, d'aller là-bas, ont fait des éliminatoires. Je sais. Ils n'ont pas été payés. L'argent qui restait, c'est malhonnête de dire ça. Et dites la vérité ici. L'argent ces gamins là ont joué des questions. S'il vous plaît, monsieur, ayez votre mal en patience. S'il vous plaît. Soyons sérieux. Gardez votre calme. Pourquoi seulement vous? Gardez votre calme. Moi, oui, Olivier n'est pas Molfino. Moi, mon souci ici, ce n'est pas de priver aux joueurs leur et leur argent. Ils ont joué la qualité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il devrait alors. Je ne dis pas qu'on ne connaît pas. Je t'informe que l'argent est arrivé après un grève. Un refus de manger pour ne plus jouer. L'argent est venu d'où? Tu comprends? L'argent vient de plus de ça après ça. L'argent est venu d'où? Quand ces gamins-là ont fini les études. L'argent est venu de la primature. L'argent est venu de la primature. Je veux bien, mais mon problème, je te pose une question. L'argent était au niveau de la France. Les joueurs existent. S'il vous plaît, le gouvernement est responsable. Le gouvernement a été caissé. Il s'est trouvé dans une banque. Les joueurs voulaient avoir ça. Tu as les libérés. S'il vous plaît, on accorde à Molfino la parole. Vous allez comprendre que le débat est ailleurs. Ailleurs. On parle maintenant, c'est argent maintenant. Même le joueur, il se tape le coup. C'est pas obligatoire. S'il vous plaît. C'est pas obligatoire. Je n'encourage pas cette mauvaise politique. Sur le plan financier, bien sûr, en RDC, l'argent ne vient qu'après. Moi, je n'encourage pas. Mais je suis plutôt contre le comportement de joueurs. Même quand vous parlez avec le joueur, vous sentez que le joueur dit que mon Mezala a quitté. Mais non, ça c'est de bêtises. Il s'était venu prendre l'argent. C'est de bêtises. Demande Mbappé. C'est qu'il a fait à l'équipe de France avant d'aller. Ça c'est outrance. Je ne m'affiche pas. Monsieur, je ne connais pas ce que ça donne. Ça c'est outrance. C'est les meilleurs joueurs du monde. Reconnaître et toucher ces deux choses. Attendez. Mbappé avant d'aller à la Coupe du Monde. Je veux savoir combien c'est connu. Mais vous envoyez les enfants là-bas sans savoir s'ils auront un bon. Ils vont les éliminatoires. Ils gagnent. Quand ils ont gagné aux éliminatoires, on ne paye pas. On attend qu'ils puissent perdre pour les traiter des malheureux. Vous savez que même le Bima. On ne veut pas savoir, c'est faux. Non, mais l'argent va sortir. Mbappé n'en affirmait pas ça. Ce joueur, ils ont touché l'argent. Ils ont touché ceci. Je dis ceci. L'argent va sortir. S'il vous plaît. Ils ont touché ceci.
cet argent. Qui a dit à ces enfants-là qu'ils auront l'argent? Alors, Eddie, quand, qui a dit Billy Kinkel a pris la parole, puisque eux ont envie de parler et même prenez la parole. Dans tout ce que les confrères disent, il y a de la vérité dans tout cela. Ce joueur-là, savait, ils ont fait le stage du Congo-Brazzaville. Parce que le stage, l'argent qu'on voit, l'argent dont on parle ici. S'il vous plaît. Oui. J'aimerais qu'on a. En fait, Pengongo a dit quelque chose. Il a dit même Mbappé réclame les choses. Ah ben oui, hein. Il réclame avant la compétition. De prester. Ça veut dire ils sont dans une, il est dans une position où il dit je ne fais pas ceci, je ne commence même pas à faire ceci. Ce n'est pas le cas avec la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le cas avec nos athlètes. Parce que même l'entraîneur, il a accepté de commencer à entraîner sans avoir de contrat, sans avoir d'argent. Il est même parti au champ sans contrat. Et on n'en parle pas, hein, de, non, il y a des gens qui sont en non, s'il vous plaît. Ça fait des valeurs, en fait. S'il vous plaît. Ah ouais, ça nous sommes unanimes ici que ce n'est pas bien. Okay. Mais est-ce que ça doit être une raison pour justifier une défaite? Oui. Non, pas. Une des raisons, oui. Mais pas la principale raison. Magnifique. Pour moi, je dis, l'argent dont on parle ici, bon, c'est vrai qu'on a trop parlé d'argent. Moi, je voudrais aussi qu'après qu'on parle un peu de technique. Oui, oui. Parce que ces joueurs-là ont fait le stage de Congo-Brazzaville. L'argent, ils l'ont eu, je crois, 2 semaines après. Pour de gars qui savent comment ça fonctionne. Brazzaville, c'est la même partie. Non, non. L'argent reconnu. Je parlais avec les joueurs, j'étais dans la vie avec joueur, eux. Mais quel joueur est bien là? Je te dis que je parle avec ça n'a jamais été. L'argent dont on parle, c'est les deux matchs. Oui, parce que c'est les deux matchs. On parle de deux matchs. Ce n'est pas vrai. Deux matchs. Laissez-moi terminer tranquille. Le match de la Libye en préparation et le match du Mali. Mali qu'on a perdu. Et puis les 3 matchs de la phase de poule. Alors pour des joueurs qui savent comment ça fonctionne et que bien avant cela, ils ont eu à retirer leur argent après un stage ou après un match, je crois qu'ils ne devraient pas en faire un problème. Mais reconnaissons quand même qu'il ne faut pas encourager cette méthode, cette façon de faire, et dit Kankou, du ministre des Finances. Ils sont habitués à toucher le monde dans la beaucoup banque. Ça, c'est une méthode. Ça, c'est une méthode qu'il ne faut pas, qu'il ne faudra pas encourager. Mais tout à l'heure, j'ai évoqué en fait ici, madame. On va aller participer à des prochains tournois en misant sur des joueurs de la Ligue de foot. Moi, je trouve que cette façon de faire est totalement biaisé. Parce que Santos Mutubile, dont on a vanté le mérite ici, oui, nous tous, moi je le lui ai dit, Santos a gagné le CHAN dans des, on va dire, cette équipe CHAN, ce n'était pas les joueurs. Mais cette sélection-là n'a pas bénéficié de beaucoup de moyens. Mais le contexte est différent, madame. Mm. Pengongo l'a dit ici, et dit lui-même a reconnu que Santos, l'équipe qui gagne le CHAN, c'est Mazembe qui est en train de trôner sur le continent. Ouais. Avec un championnat quand même un peu organisé de façon plus ou moins acceptable. Aujourd'hui, la question du championnat de la Ligue nationale de football doit se reposer. Madame, vous n'avez qu'à voir les résultats de nos clubs en interclub. C'est le championnat sans champion. Le championnat est malade. Un championnat sans champion. Et vous voulez aller gagner le chat. La preuve en est que même en plus, l'équipe du Sénégal. Déjà, il faut rappeler, comme on a parlé argent ici, ce joueur-là ont 1200. En tout cas, en France, CFA, en dollars, ça représente 1200 par match. Gagné. Nous, c'est 5000. Et puis, pourquoi faut-il seulement 5000 tant pour la tant gagner 5000? Je ne comprends pas pourquoi. Les Sénégalais ont 1200, simple. Madame. Quand 1200. Simple. 1200. Autre chose. Pourquoi on ne gagne pas? Parce que comme il faut tirer les leçons, pourquoi on ne gagne pas? Madame, c'est joueur. Vous gagnez match, Missa Touté. Ce joueur bon, sénégalais. Entre nous. Par mois. Pengongo. C'est 15 000 dollars. Malfino. Oui. Entre nous. Missa, tu m'as bêté, tu gagné, tu as plus de 15 000 dollars. Toi, bon. Bon, ok. Moi, je vais vous dire. Madame. Bon, il fait bon. Non, madame. Nayem, tu vas la qui n'a pas. Nayem, tu vas la terre.
avant que Pengo je suis totalement d'accord, madame. Vous gagnez, vous avez un côté. Vous gagnez, vous avez une prime. L'explication est facile. Et puis, madame, avec 5 000 que ce joueur va avoir pour des matchs d'une prestation piètre qu'on a vu là, il va avoir 5 000 alors que, hormis l'Algérie, nous sommes la seule nation qui va primer le mieux. Même des pays qui ont un budget 4 fois, 5 fois plus que le nôtre ne donnent pas 5 000 par match perdu. Voilà. Alors, l'autre effet, c'est que, madame, ces joueurs sénégalais, ces joueurs ivoiriens, j'échange avec des confrères de leur pays. Chaque mois, ils avaient deux regroupements. Même la Mauritanie. Chaque mois, ils avaient deux regroupements. Ouais. Nous, on va attendre quelques jours avant la compétition. Madame. Déjà, vous fixez un seuil à l'entraîneur qui ne peut pas dépasser et vous voulez gagner. Parce que vous voulez tout faire en grand. Non. Quand vous parlez stage, vous parlez millions de millions de millions. Quand vous voulez parler stage des joueurs qui habitent tous au Congo, vous parlez stage en Tunisie. Pour des joueurs qui habitent Ngaba, Yolo, madame, le problème est à ce niveau. C'est-à-dire, quand je mélange les ministères, c'est peut-être là qu'on ne comprenait pas. C'est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'avant d'aller dans une compétition pareille, quand la FECOFA dépose son programme de travail, un échange doit être fait de manière claire pour déterminer les conditions de fonctionnement ou de l'organisation en chiffres. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais été d'accord qu'un joueur, on perd un match, telle somme. On gagne, même somme. Non, ça n'existe pas. C'est une bêtise, ça. C'est une médiocrité que le ministre de Sport doit s'adresser aux fédérations et exiger un tableau des résultats. C'est-à-dire qu'avant d'aller en compétition, vous nous dites, si vous gagnez, il y aura combien? Si vous perdez, il y a combien dans le budget? C'est-à-dire quoi? Quand vous partez comme ça, là, vous avez gagné un seul match. On vous envoie un match. Mais voilà! C'est tout. C'est des choses à imposer au fonctionnement des fédérations. Une note sur Killer. Parce que c'est devenu facile. Vous allez saisir la FIFA. La FIFA te dira que vous avez la fédération de football comme ça où vous avez autant de matchs perdus avec autant d'argent. Voilà. Mais vous avez par exemple les athlètes là-bas de Taekwondo. Vous savez pourquoi j'ai cité la lettre du ministre? Il y a rien. Vous savez, madame, pourquoi j'ai cité la lettre du ministre à la FECOFA? Des vastes blagues. C'est à ce niveau-là. Parce que vaste blague, j'insiste. Monsieur, j'insiste, hein, et je vais démontrer. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, depuis presque 2 ans aujourd'hui, a pris une mesure conservatoire de gestion de fonds par les caisses, comment on va dire, la comptable du cabinet du ministre. Le ministre propose un ordre, qu'est-ce que je raconte? La FECOFA propose un ordre d'émission qui laisse 2 espaces devant, dont les chefs de la délégation. C'est la République qui va en mission, dans une mission de service public, où on va placer une autorité à charge, on va dire, subalterne du ministre, ou le ministre lui-même, en mission. Naturel. Ils partent en mission. La mission finie, tu exiges à la FECOFA de t'expliquer parce que la République a dépassé beaucoup d'argent. Eh, messieurs. Non. Quelle vaste blague. Toi, tu as envoyé quelqu'un. Attendez. Tu ne comprends pas. Il y a même pas. Tu as envoyé. Toi-même, tu y étais. Et tu nous as même informé par un communiqué de ton cabinet que c'est toi qui as amené l'argent. Toi, tu amènes l'argent. L'argent que tu as amené là, la manière dont on a dépensé ça, toi, tu es innocent. Ce n'est pas sérieux. Quand on demande à la fédération, s'il vous plaît, j'allais finir. Oui, c'est pourquoi je pose. Quand on demande à la fédération de se justifier, oui, c'est se justifier en termes d'argent. L'argent est évoqué dans la correspondance. L'argent est évoqué dans la correspondance. Le ministre a dit. S'il vous plaît, laissez-le terminer. Vous n'avez pas raison de l'illumination honteuse.
Les ministres, pas eux. Ils parlent de l'argent. Non, ils parlent pas d'argent. Oh, d'accord. Je vous prends l'accord. L'État a mis beaucoup d'argent. Madame, permettez que je récupère mon téléphone. Vous n'en avez pas parce que vous ignorez. Il a parlé à Jean. Il a parlé à Jean, mais pas de la manière dont vous avez. Ah, d'accord. Ok. L'État a dépassé. Nous voulons, nous vous exigeons des explications par rapport à l'argent. C'est l'État. Mais oui, mais non. C'est là que j'insiste. Qu'est-ce qu'il a dit? L'État sort de l'argent. Qu'est-ce que la lettre dit? Parce la lettre de l'autorité demande à la FIRGOFA d'éclairer sur ces débâcles, sur ces défaites honteuses, parce que la République a dépensé beaucoup d'argent. Il attend un rapport. C'est logique. Est-ce que je peux finir? Olivier, c'est logique. Est-ce que je peux finir? Naturellement. Est-ce que je peux finir? Là, le ministre explique dans la lettre. S'il vous plaît, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le ministre reconnaît en tant que membre représentant le gouvernement. Je suis d'accord avec toi à 100%. En fait, maintenant, dans cette mission-là, c'est une gestion collégiale. J'ai rien à dire ici. Madame, je dis quoi ici? Gardez votre mal. Le courrier, les projets de l'ordre des missions de la FIRGOFA. Qui est établi la ne faisait pas. Celui qui est établi par la mission. Établi par la fédération, il y a des branches laissées pour le ministère. Exact. Pour les gérer dans le groupe. C'est-à-dire que le corps qui a leur mission, là, il ne faut pas les dissocier. C'est-à-dire que le ministre fait un échappatoire. Le ministre veut présenter l'opinion. Non, d'après vous, le ministre ne peut pas demander à la fédération. Il les appelle. Ils nous ont pondu un rapport ensemble. Ils ont géré. Lui, les finances et la technique. C'est bon, merci. Vous voulez un rapport partiel. Ok. Ou un rapport global. Le gouvernement, Madame Boutella, est-ce que le gouvernement a besoin de quel rapport? Partiel ou global? Si c'est global, le sport, le ministère des Sports est impliqué financièrement. Ben voilà. Les aspects, depuis un temps, les ministres, la fédération est sous tutelle. Et du gouvernement et de la FIFA. Et la FIRGOFA ne gère pas les fonds. Voilà. C'est le ministère qui gère avec un représentant de la FIRGOFA. Très bien. Les prévisions sortent des. De la FIRGOFA, exécutée par un membre de la FIRGOFA et du ministère. Voilà. Vous avez vu la police avec moi. Madame, vous voyez la police. S'il vous plaît. Vous voyez la police. Très bien. Je n'ai pas demandé ça. Maintenant, je m'adresse à dans la gestion, il y a des responsabilités. La FIRGOFA gère des aspects techniques sans le ministère. Les aspects techniques, c'est sur le plan des entraînements, sur le plan du classement, et sur le plan matériel. Technique, ça n'engage pas le ministère. Okay. Ça, c'est la FIRGOFA. L'argent, c'est parce qu'il y a un comptable public qui gère avec l'œil du ministre parce que c'est le patron. Très bien. Nous allons une compétition. Et à moi de te S'il vous plaît. Nous allons dans une compétition où l'État congolais sort de l'argent. Et le ministre sectoriel, c'est Chembo. Nous allons. Techniquement, ce n'est pas le ministère. Les entraînements, le ministère n'a pas dirigé. Okay. Les placements, le ministère n'a pas dérangé. Il estime que la gestion est collégiale. Qu'il me dise à quel niveau le ministère est venu gérer pour les entraînements. Quelle était la part du ministère dans les entraînements. Quels étaient les papiers que le ministère a donné pour le classement. Les explications que le ministre demande à la FIRGOFA, ce sont les explications sur le plan technique. Ah bon? Vous êtes technicien. Dans l'argent technique, hein? Parce que la fédération gère les aspects techniques et le gouvernement dispose les moyens. Ok. Les moyens ne viennent pas de la FIRGOFA. L'argent géré. Oui, s'il vous plaît. L'argent géré par la FIRGOFA. C'est la réaction de frustrés. Alors c'est compliqué. C'est la réaction de frustrés qui parle l'argent. Pengongo. Frustré de la FIRGOFA qui parle l'argent. Pengongo. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît. Les frustrés Les ministres demandent les aspects techniques qui n'ont pas marché. Sa correspondance ne vaut pas ça. Ne vaut pas ça clairement. Tu ne fais pas comprendre. Ah bon? Oui. Quand le ministre, à quel niveau? Quand le ministre dit, donnez-moi les raisons qui nous ont amenés à cette honteuse, sachant que la FIRGOFA n'est déjà que les aspects techniques. Ouais. Et c'est sur le plan technique que le ministre demande. Et il rappelle à la FIRGOFA que cette mission dont l'État a dépensé autant de moyens. Ce n'est pas parce que nous avons on ne parle pas de gestion. S'il vous plaît. On parle de rédivabilité selon les responsabilités. Edi Kankou. C'est le chef. Bili, c'est ce qu'il y a. Mais ne t'en fais pas, il y a une des là-bas. Il n'y a pas question de
donner l'espoir à trois reprises. S'il vous plaît. Non, tentative de détournement. On parle de... Oui, mais parce que tu voulais parler de Lisa. On parle de Lisa. Ah ouais, tu parles de Lisa. Lisa, déjà, ne peut pas accepter au ministère des Sports en matière d'argent. Écoute les autres. Non, madame, désolé, excusez-moi, mais il a... Alors, si aujourd'hui, on fait ressortir ce dossier, ça veut dire que la FECOFA, en donnant des explications, peut aussi dire qu'il n'y a pas eu une bonne préparation faute de moyens. C'est simple. Attends. Bon, madame... Ça peut aussi être l'une des raisons. Je crois que je ne suis pas dans le secret des dieux. Tout à l'heure, pour une première fois, j'ai vu quand même Pingongo agité sur un plateau. Je comprends pourquoi. Non, je suis scandalisé par les informations. Qui a géré un certain nombre d'aspects en collaboration avec la FECOFA. Lorsqu'elle demande à celle-ci un rapport et que Pingongo pense à l'argent public. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que le ministre veut, quand il parle de la participation, la honteuse participation. On parle de technique. Est-ce qu'on parle d'argent? Est-ce qu'on parle d'argent là? Non. En tout cas, pour une première fois, c'est vu Pingongo, Pingongo passer totalement. Je vais répondre rapidement parce qu'on a la question. C'est vrai que tu évoques. Tu évoques le passage de Deligef au ministère du Sport. Tu sais pas. C'est difficile ça, moi je n'étais pas là-bas. L'orthodoxie qui a toujours caractérisé. Très rapidement, Pingongo. Quand trois fois, le sujet n'est pas suspect, se reconnaît dans le monde. C'est beaucoup trop. C'est vraiment un bon suspect. C'est vraiment un bon suspect. Il est parti. Billy Kinkela. Alors donc, je crois que moi, je connais très bien les terrains qui est une. On n'est pas dans ces terrains-là. On est ici. Dans ce rapport, des explications également en termes. Tout à l'heure, j'étais en train de parler de contenu de chaque stage, parce qu'on a comme l'impression que c'est en termes de contenu, tout ça, parce que nous sommes quand même le seul pays où l'entraîneur va proposer un contenu à chaque stage, bon gré, mal gré. Alors qu'ailleurs, on le sait, c'est un travail qui est fait avec la fédération à travers sa direction technique nationale. On va proposer un contenu, voilà, pour ce stage ici, parce qu'on a eu comme l'impression que c'était du par eux-mêmes, Brazzaville, Algérie, Tunisie. Vous voyez, ce qui fait que sur le terrain, on a manqué de contenu. Donc, je crois qu'il faut travailler sur ça, même dans l'intervention dans comme l'a fait, je crois, en 2014, Santos Mutubile. On va aller Pevkin prendre le meilleur buteur et c'est lui qui sort meilleur buteur de la sélection nationale. Je crois qu'il faut travailler sur cela également. N'est pas seulement, je l'ai dit au risque de me répéter, n'est pas seulement basé sur le championnat national. Parce que ce championnat-là, quand même, depuis un temps, a démontré qu'on peut aller voir ailleurs, notamment le Pevkin, pourquoi pas, comme on l'a fait ailleurs. Vous avez suffisamment parlé. Conscientiser les joueurs, ils doivent comprendre qu'on défend les drapeaux nationaux. Il faut se concentrer sur le résultat parce que nous, Congolais, on a besoin de résultats de tous ces joueurs. Accepter que nous passons de moments de transition. Et déjà là, il faut avoir une idée sur ce que sera l'équipe Cannes. Parce que, voyez, sur le terrain, avec le résultat enregistré par le joueur Chan, c'est que c'est des jeunes qui ne... Voilà, donc mois de mars, déjà, il faut y penser. Il faut y penser, des joueurs qui n'ont pas fait mieux au niveau du Chan. Si vous voulez qu'ils fassent mieux au niveau, bien sûr, des éliminatoires de la Cannes. C'est attendre l'avion. On attendra les sélectionneurs à désigner. Voilà. Donc, je pense que c'est très important. S'il vous plaît, Eddy Kanku, un mot pendant que mes deux chéris vont me rejoindre sur le plateau pour conclure. Un mot, c'est les élections au niveau de la FECOFA. On ne peut rien faire si on n'organise pas les élections au niveau de la FECOFA. Parce que le comité en place n'a pas de solution. C'est la ménopause en termes d'innovation. Il faut attendre qu'une nouvelle équipe arrive. Les élections, c'est au mois, je crois, avril. Et les nouvelles personnes vont arriver. Et les nouvelles personnes vont apporter une nouvelle énergie. Voilà. Et Pingongo? En fait, moi, j'ai juste un message pour le président de la République. Je pense que les pays souffrent énormément. La population a eu très, très mal de cette élimination. J'ai vu les gens douter de leur amour pour ces drapeaux. J'ai vu des gens qui étaient habillés en couleur de la République démocratique du Congo, mais être trahis par une organisation catastrophique de toutes les structures qui ont accompagné. De la FECOFA au ministère du Sport, il n'y a pas d'innocent. Et de tout ça, le silence de la présidence dérange. Même Zé Laurent Désiré Kabila, s'il vous plaît. L'état des droits. S'il vous plaît.
Même Mouzé Laurent Désiré Kabila. Même à la conclusion, papa, même Mouzé Laurent Désiré Kabila, en 98, a dépêché Mouton Tchibal. On se rappelle de Kabila Santos Bokessi. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on. Quel est ce silence de la présidence, s'il vous plaît, s'il vous plaît, de l'ingérence, s'il vous plaît, s'il vous plaît, de l'ingérence. Oh là là, oh là là, l'ingérence. Ce n'est pas vrai, il s'agit pas. Il y a des messages, il s'agit d'un message. C'est un message, il va conclure. Il s'agit pas de débat. Il s'agit de mots messages au président de la République. Oui. Monsieur le président de la République, le sport congolais va très mal. Non, je suis devant la question. Il s'adresse au président de la République. Le sport congolais va très mal. Et en ce moment ici, ce qu'on nous a présenté comme prétendu projet, ça n'existe nulle part. Il n'y a pas un tiroir où il y a une idée précise capable de développer. Il fallait une musique en sourdine. Il est temps que vous-même, en garant des institutions et surtout protecteur du drapeau national, qui est humilié par ces léopards, d'intervenir. Merci beaucoup, Pendo. Ça compte sur vous. Molfine, on vous accorde des salutations. Bon, on salue tous les sportifs, surtout mes confrères Eddy, Billy et Olivier. Je pense également au président de la coordination du Football Club Saint-Eloi-Lupopo, Cédric Tshizainga Kapumba, le Pakebo. Je pense également à M. Patrick Mouteta, qui nous suit depuis le Lubumbashi. Donc, c'est de fou de cette émission au cœur du sport. Et pourquoi pas Jean-Marie Tshizainga. Alors, on aura les explications après. Justement pour dire avec mes chéris ici sur ce plateau, voilà, elles étaient en coulisses aussi pour nous accompagner et suivre également l'émission. Elles sont là, toutes belles. Après, on va aller en natation, nager un tout petit peu parce qu'elles se préparent déjà. Il y a une pizza d'abord. Pour, oui, bon, la natation. Ah non, ce sont les athlètes bien de la RDC. Non, pas du tout. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci également à la prise de vue d'Adi Makab, à la réalisation, la coordination avec Christian Bouquet qui revient fraîchement de l'Algérie. Donc, grand merci à toute l'équipe technique. On va se retrouver déjà la semaine prochaine. On va vous laisser avec ces images de volleyball, ce grand gymnase construit avec la coopération japonaise. Voilà. Au revoir. We'll be right back.